asseyez-vous. C'est vraiment, on va prier à cause du temps. Amen. Les versets que j'ai lu à faire passer, on était dans la ligne de Daniel 10, où on a parlé de la vision. Ce soir, on va compter juste. On va prendre Zacharie chapitre 3, versets 1 à 3. Zacharie chapitre 3, versets 1 à 3. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu? Zacharie 3, verset 1 à 3. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange. De l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tissant arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Continue. Il se tenait debout devant l'ange. Continue. L'ange prenait la parole. L'ange dit à ceux qui étaient avec lui. Ôtez-lui ses vêtements sales. Puis dit à Josué. Vois. Je t'enlève ton iniquité. Et je te refais des habits. Je te refais des habits de fête. Amen. Et amen. Amen. Assis-toi. Et c'est ça ce soir que je vais parler. Vous savez, lorsqu'on dit de la mort à la vie, tu peux servir Dieu, mais tu es mort sans le savoir. Amen. On dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Vous savez ce que ça veut dire? À ce moment-là, c'est l'image de Jésus-Christ. À l'époque, c'était Josué. Après Moïse, quand Moïse est mort, c'est à Josué qu'il a laissé le pouvoir. Josué, il était le souverain, le numéro un des sacrificateurs. Il était comme le roi, le juge. Il était le seul qui voyait Dieu en face, parler avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le souverain sacrificateur. Mais on dit cet homme-là, on dit Satan qui était à ta droite, on dit Satan là qui c'est. On dit Satan était en train d'accuser Josué. Devant Dieu. Comment un souverain sacrificateur peut être accusé par les diables? Ce verset est tellement compliqué. Comment on peut accuser quelqu'un? Quelqu'un à qui Dieu a donné les titres-là. Or, que c'est pas dans tout le monde. C'est à lui qu'ils ont donné. C'est lui qui a pris la place de Moïse pour connaître les titres de la terre promise. Mais c'est lui, on dit, Satan l'a accusé. Amen. Amen. On dit, vous savez pourquoi Satan l'a accusé? Parce qu'il y avait un péché. On dit, il était couvert des vêtements sales, des vêtements de l'iniquité. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le mot iniquité ici, arrêtez. Si tu fouilles bien, Josué n'avait pas de problème. Mais il y avait un lien de famille. Il y avait un esprit de famille qui était à la base, qui réclamait Josué. Vous allez voir. Les gens prient. Et puis, mais là vient pareil. Oh, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui les réclame. Amen. Vous savez, le diable connaît cette chose. Le diable, il connaît ses droits. Mais c'est quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Satan connaît ses droits. Lorsqu'il est devant ses
croix. On dit qu'il était devant Dieu pour acquiser Josué. Il dit, voilà lui là. Voilà, il est point de vêtements sale. Voilà ta vie. Voilà comment il se comporte. Comment tu vas donner ce titre? Comment tu peux lui donner ce titre proche? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits. Mais les diables, ils connaissent ses droits. On dit qu'il a qui c'est. Amen. Ce qui est bizarre, même comment ça t'a su que Josué était devant Dieu pour arriver là? Regarde-moi. Tu fournis les efforts pour avoir quelque chose. Dès que la chose est presque arrivée, il y a quelque chose qui vient qui gâte tout. L'Éternel ne connaît pas ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'est pas omniscient, ni omniprésent. Il ne connaît rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a des agents qui prennent nos informations. Je vais vous choquer. Même parler souvent dans la bouche, ce n'est pas bon. Même souvent parler dans la bouche, ce n'est pas bon. Dans la bouche, souvent, ce n'est pas bon. Soit parler même les choses de ta vie dans les carrefours, dans la rue, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que écoute-moi, vous savez, dans la chaîne carrefour, il y a les esprits qui travaillent. Même dans la rue. Et souvent, il y a des choses que tu fais. Mais quand tu dis, mais comment ils ont su pour bloquer? Ce soir, je te dis, ne sois pas gentil. Les chrétiens sont tellement gentils et on joue avec vous. Avec nous. Écoutez-moi. Vous savez, que le même mot comme ça, il y a des gens qui aiment ça. Ah. Amen. 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 Et vous êtes sûr qu'il y a des gens qui aiment de manière dont on t'est pris ici. Vous savez combien des âmes qui ont été sauvées dans cette église? Combien de morts qui ont été sauvées dans ce lieu? Combien de gens à qui Satan a raté dans cette église? Pour te dire que, au moment où toi tu as été de prier ici, tu as combien de complots que tu as été de faire jouer dans ta vie? Tu sais combien de gens qui ont fait projet contre ta vie, contre ta maison, et que tu as fait échouer. Et tu vas vouloir prendre ce moment seulement à la légère. Écoute-moi bien. Chaque moment, chaque temps, quand on est devant les gens comme ça, il y a des esprits qui nous réclament. Il y a un esprit qui nous réclame. Et quand il vient là, première chose, il cherche des informations. Où je peux rentrer pour frapper vite. Vous savez, être chrétien, souvent c'est être bête. Mais être bête, c'est pas dire être bête à qui on peut chiffler. Ça dit quoi? Il y a des choses qui n'est plus utile à ta vie. Comme je disais à quelqu'un, à cause de Dieu, c'est un signe de fâchement. Même si on t'énerve, parce que c'est une porte que tu vas ouvrir. Écoutez-moi bien.
Je n'ai pas passé mes nuits sans manger. Parce que quelqu'un m'a dit, tu es bête. J'ai fait par là. C'est lui qui est bête parce qu'il ne sait pas ce qu'il sait pas ce qu'il a dû faire. On dit Satan accusait Josué devant Dieu. Il y a les gens qui vont nous accuser pendant qu'on est en train de prier. Alors, il faut même les réunions pour dire que. Ce monsieur-là, c'est un signe qui prie beaucoup. Mais cette femme, voilà, il était nous déranger. Il est choqué. Les soucis de votre famille là, vous êtes ce qu'ils font. Quand tu es au bout là, leur maître l'a dit, leur maître l'a numéro 1. Il dit, mais maman, mais tu laisses maman, pour te là. Elle prie beaucoup, c'est extraordinaire. Tu dis, mais elle te prie. Va la prier. Va dire quelque chose. Mais comment tu as laissé la porte? Et chaque jour, elle gêne, elle prie à l'aise. Mais qu'est-ce que tu fais? Va créer quelque chose dans ta vie. Pour qu'elle soit débranchée ou bien pour qu'elle gêne. Amen. Le 21 jours de gêne, c'est le gêne qui fait tomber les esprits. Les principautés. C'est le gène où qui tue l'homme le plus fort de ta vie. Amen. L'homme, on appelle l'identité-prophétie. C'est ce qui sont assis de ta vie, qui ne fait pas qu'il avance. C'est pendant que tu as vu les gens tombent. Amen. Amen. Pour les enfants, une mère qui prie beaucoup, sa prière agit même dans la vie. Un homme qui prie beaucoup, la prière agit même de sa famille. Pour dire que les diables savaient que ce monsieur-là, ce n'est pas pour les disqualifier. Il faut que je sois devant lui qui va l'exterminer là. Pour dire qu'il est méchant, il n'est pas bien. Pour que Dieu dise pour que Dieu non, tu es disqualifié. Mais ce que j'aime chez Dieu là, regarde-moi. Regarde-moi à le verset là. Dans le verset. Le même verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Dieu dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te réprime. L'Éternel te réprime. Toi la personne. Toi la personne. Qui te lève contre ma vie. En ce soir. Tu seras réprimé. Tu seras réprimé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tissant arraché du feu? Or, Josué était mauvais. Attends, il dit lui qui a choisi Jérusalem. Il dit un tissant tirant du feu. Allez voir. Quelque chose d'inutile. Quelque chose qu'on a pris dans le feu. Allez voir. Quelque chose qu'on a retiré quelque part. Ça veut dire quoi? Il dit c'est lui qui l'a choisi. Amen. Amen. Et vous dites ce soir, c'est Dieu qui a voulu que tu fasses 21 jours de jeûne. Voilà hier, mon ami il me dit que lui il fait prier, il a prié. En même temps, il est venu pour ça qu'il fait prier. Ça fait deux fois que ça il vient. Première fois, il est venu pour dire la semaine spirituelle. Après, il est venu voir qu'on a 21 jours. Fais quoi? Ça, c'est dans les plans de Dieu. Dieu savait qu'on va prier. Et là, lui, il vient à l'intérieur, il vient prier. Mais toi, tu es habitué à toi, tu es avec le fruit pour manger. Amen. 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 Oui, regardez-le. Lui, il vient de l'intérieur. Son esprit, il vient. Vraiment, c'est parce qu'on l'a causé. Il m'a dit qu'il venait. En même temps, il venait à prophète. Il sait pas que j'ai tout.
venu dans les programmes. Amen. Eh, mais toi, tu es ici, tu as les flores. On est à programme. Avec les photos. Flores, souffrance, 2024, galère, 2024. Amen. Amen. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes. C'est quand nous on prie, toi tu manges, ça te regarde après, ça te va t'accuser. Eh Seigneur, lui là, voilà l'écran, voilà. Lui là, quand on prie, lui manger. Oui, c'est la cérémonie spirituelle. Ne jouez pas avec ça. Voilà, il dit, mais t'es dit, c'est moi je l'ai choisi. Vous savez, je voulais un truc. Il y a des choses que tu cherches. C'est de la parole de Dieu que tu vas avoir. Vous savez, il y a des hommes qui ont eu des problèmes. Il y a eu Job, il y a eu Josué. Mais Job n'était pas présent. Et ils l'ont accusé. Mais Josué était présent. Tu t'es défendu. Vous savez quoi? Au moment où toi tu as fait, écoute-moi. Ah, tu vois, là, hein? Le moins spirituel est en mouvement. Ils ont les calendriers de 2024. Ils vont travailler. J'aime choquer ici. Vous savez que même l'eau qui envoie des choses ici, vous savez que c'est travaillé. Hein? Vous savez que l'eau là, il y a des musiques qui mettent chaque fois, ils mettent les choses dans l'eau là. C'est pour nous envoûter. Vous savez que on envoûte même l'air que on respire. Même les étoiles. Hein? Pardon? Non. Vous tenez quoi? Il y a déjà un calendrier de 2024 que vous n'avez pas vu. Mais ils ont besoin d'aller vivre. D'aller aimer. Ils savent tout ce qu'ils ont fait cette année. Maintenant, toi, un chrétien. Bientôt, ils vont au Ghana. Ils vont les faire. Les gars, conférences de formation. L'année passée, ça. Ils vont le fêter à Côte d'Ivoire. Après, il est plus là. Maintenant, ça va au Ghana. Ils font un mois de réunions, de formations en Afrique. Ils s'assoient. Une fois, ils ont pris au Côte d'Ivoire. Pendant un mois. Même les dépôts, les dépôts de Bédi là, c'est un schéma franc-maçonnique. C'est un schéma franc-maçonnique. Hôtel, voilà, regardez les valeurs, vous voyez, ils mettent quoi? Alors, c'est-à-dire que vous, on vous voit la nuit, même si c'est caché, ils voient votre vie. Mais sauf ceux qui sont dans l'état de Jésus-Christ. Et nous là, elles vont nous voir. Amen. Parce que nous sommes couverts par les saints. Amen. Pour te dire quoi? Josué, sa force, c'était dans la présence de Dieu. Lorsqu'on l'a quitté, Dieu dit non. Dieu dit, je t'ai repris parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et là, je dis à ce qui était avec Josué, ôtez-lui ses vêtements sales. Écoute-moi, on dit, oh, Josué ne pouvait dire, oh, tu vois, c'est que Satan. C'est la vérité, mais Dieu a levé les vêtements parce qu'il est dans la présence. Lorsque on parle de la présence de Dieu, c'est pas seulement quand on fait la présence de Dieu. Il y a un temps où on prend c'est temps ici là, moi X, je vais passer dans la présence de Dieu parce que je veux que ma vie change. Amen. J'ai oublié une chose. La prière ne pouvait pas. Jamais. Toutes les prières qu'on fait là. Moi, j'ai fait les prières à 2010, 2011. C'est vrai que j'ai fait les prières là. Les prières ne pouvaient pas. Les prières là, ce sont les vases qu'on remplit. Et ce sont comme la manière où vous devez garder la c'est comme ça la prière, c'est comme l'argent. Gardez la banque céleste. La prière, chaque prière est divine aujourd'hui. Après demain, ça va, j'ai ta vie.
la force. On a dit, oh, donne-lui ses vêtements. Donne-lui les vêtements de fête. Tu sais quoi? Tu ne peux pas rentrer à 2024 avec les vêtements sales. Fais-le, 2024, tu as tout vêtement sale doit rester à 2023. Tout ce qui est un problème à 2023, là, ça va finir au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas assez de temps. Mais toi, tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, que toute accusation, tout ce qui est en toi, il y a une personne qui est méchante, qu'on appelle Satan. Mais tu sais ce qu'il fait. Satan, il va dans ton passé. Il cherche à te trouver des idées pour t'acquitter devant Dieu. Mais quand tu te dis que je te pardonne, là, Dieu te pardonne. C'est soit tu as donné le roi, puis le roi, lève-toi en force. Amen. Qui perdait le nom de Jésus. Thank you.
Amen. Dis Père dans le nom de Jésus. Père dans le nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Et ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Amen. Que chacun se dispose. Éternel mon Dieu, nous voulons te dire merci. Toi qui nous as soutenu, tu as donné la force à chacun. Tu as permis que nous nous retrouvions ce soir. Veille nous protéger. Veille, Seigneur Jésus, nous donner la force encore afin de nous retrouver le lendemain. Toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes sur tout, au nom de ton nom j'ai prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Sois facile, Père. Dis Père dans le nom de Jésus.